L'état d'esprit, il est toujours le même. Hein. C'est de faire le maximum, de prendre les points qu'on peut prendre. Voilà, on sait qu'on a une série un peu délicate, un peu compliquée. Il va falloir l'arrêter dès demain à domicile. Comme le coach l'a dit, l'important c'est de prendre les points. Même un point, faut essayer de se relancer et arrêter cette spirale négative. On montre quand même des belles choses dans le jeu. Après, c'est vrai qu'on a un peu de mal à finir les actions. On a plus brin de réussite qui nous réussissait justement en début de saison où on a fait la belle série. Voilà, et défensivement aussi, on a un peu plus de mal, c'est vrai. On va retrouver de la réussite, comme on dit, dans les deux surfaces. Et voilà, mettre plus d'agressivité aussi peut-être dans l'entrejeu. Et voilà, j'espère que ça va porter ses fruits. Le Havre, c'est partie de ces équipes qui aspirent à monter en Ligue 1 chaque année, comme nous, comme plusieurs équipes. Donc, c'est des concurrents directs. Ce serait bien de faire un coup, de faire un résultat demain pour se mettre sur les bons rails. C'est un match qui va aussi peut-être un peu conditionner le reste de la saison. Mais voilà, nous, on reste concentrés. Et comme le coach le dit souvent, on prend les matchs les uns après les autres. Hein. On ne va pas non plus faire des plans, faire des calculs. On prend les matchs comme ils viennent et en essayant d'être le plus performant possible. Bah, j'en garde un très bon souvenir. J'avais fait qu'un an, mais ça a été une année de pleine d'enrichissement. C'était la première fois que je partais de Monaco. Donc c'est la première fois que je connaissais autre chose. Et j'étais arrivé dans un club très familial. Et voilà, il n'y avait pas, comme je l'ai déjà dit auparavant, il n'y avait pas de toutes ces histoires de clans, toutes ces histoires d'ego. Et donc c'était très enrichissant et c'était vraiment une expérience, une très belle expérience.